J'adore le mot affranchi. Quand je fais ma mode, je pense à des femmes que j'appelle affranchies, libres, qui s'assument. Je trouve que tu es tout à fait l'image de ça. J'adore le mot affranchi et liberté. Assumer, pas toujours. Je trouve que ce qui est difficile, c'est de s'assumer. Non, c'est pas toujours facile. On est au moins à la recherche. En tout cas, c'est sûr, vu mon parcours, j'ai toujours peur d'être enfermée. Et du coup, quand on parle de vêtements, quel type de vêtements tu aimes ? Ah ben, moi, j'aime bien masculin, féminin. J'adore les icônes du cinéma américain des années 30, 40, plutôt 40 d'ailleurs, pour ça. J'adore les références masculines, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui s'habille avec un pantalon. Bah pareil, c'est une forme de liberté aussi. Liberté simple. D'être soi-même. Oui. Moi, en tout cas, je me suis toujours habillée comme ça. Voilà, on se comprend. Mais grâce à toi. Et de le décliner tout le temps, avec des coloris différents, des matières différentes, d'avoir du choix. Moi, je sais que j'ai des vestes à toi depuis des années, qui sont indémodables. C'est ça qui est beau aussi. Ce que disait Saint Laurent. C'est la personne qui m'a donné envie de faire ça. C'est vrai, ah bah tu vois, mais ça ne m'étonne pas. Je trouve qu'il y a des correspondances. Sur les couleurs aussi, sur les couleurs frontales, assumées. J'adore le total couleur aussi. Je trouve. Bah là, regarde, je suis total bleu. Merci. Merci Barbara. Merci.